aujourd'hui, j'ai testé beauté privée. 1, 2, 3, come on girl. Donc beauté privée, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un site qui propose ce qu'on appelle des ventes privées qui ont du coup un délai d'une telle date à telle date avec des prix mais vraiment très très bas à moins 50, moins 70% sur des marques hyper intéressantes. Donc là je sais que ils ont mis, il y a L'Oréal et Maybelline qui vient de s'y mettre, donc il y a des nouveaux produits. Il y a Essie, il y a eu GHD quand moi j'ai commandé, il y a Talika, il y a Bourjois, il y a des parfums, ils font aussi des trucs spa et soins, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, tout ce qui est maquillage, les ongles et tout ça, il y a énormément de ventes. Il y en a qui sont un peu tout le temps là et il y a des ventes un peu exclusives où il faut vous êtes averti quand ça sort à telle heure et si vraiment vous voulez avoir les plus bonnes promos, bah, il faut être là dans les premiers et puis vraiment commander. Au niveau des livraisons, moi j'ai été livrée hyper rapidement, c'est-à-dire que mercredi on m'a dit que les produits étaient envoyés et vendredi j'avais mon colis. Au niveau des frais de port, si vous êtes livré en relais colis, c'est 3,90€. Après ça augmente si vous êtes livré par un autre prestataire ou par la poste ou autre. Je crois que quand vous atteignez 25€, le relais est gratuit et 75€, je crois que c'est chez vous. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ils livrent en France, en Belgique et en Suisse. Ce qui est bien, c'est que les retours sont gratuits et que le panier est multimarque. Ils disent ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre plein de marques différentes, les mettre toutes dans votre panier et vous payez tout. Alors que sur certains autres sites, c'est que par marque par rapport aux frais de port. Au niveau des livraisons, je pense que parfois, vous pouvez être livré beaucoup plus tard parce que généralement, ils attendent que la vente soit finie pour vraiment passer la commande auprès de leur fournisseur et seulement après envoyer les colis. Donc des fois ça peut prendre plus de temps, mais moi je pense que vu que j'ai choisi ce qu'il y avait de disponible, je les ai eu très rapidement. Donc je vais plus, enfin là je vais plus vous parler de beauté privée, pas vraiment des produits, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc c'est un partenariat, hein, vous en doutez, parce que maintenant j'en fais assez souvent. Donc j'en ai pris, en fait ils m'ont dit de prendre pour 30€, et pour 30€ j'ai quand même 5 produits, donc je trouve que ça vaut vachement le coup. J'ai oublié de vous dire un truc, mais à chaque fois j'oublie, ça repart. Un petit point négatif que je pourrais donner au site, c'est qu'on peut pas vraiment rechercher par marque. Par exemple là je sais qu'il va y avoir une vente Essie, et moi j'ai réussi à trouver des vernis Essie, mais c'était même pas dans la catégorie vernis, c'était juste dans la catégorie fête des mères. Je trouve que le site n'est pas assez fit pour trouver et qu'il faut vraiment farfouiller partout pour regarder, mais sinon ça vaut énormément le coup. Il faut s'inscrire sur ce genre de site, j'ai oublié de vous le dire, c'est important, il faut s'inscrire sur ce genre de site, se créer un compte, je vous mets le lien en barre d'infos qu'il faut suivre, et après vous avez accès à toutes les ventes, vous pouvez pas juste aller voir comme ça, il faut vraiment s'inscrire pour vraiment accéder aux ventes. J'ai plus les prix, je suis en train de me dire, je vous les rafficherai les prix. Donc je commence par un petit lot de vernis du coup Essie, c'était vendu par l'eau, il y en avait d'autres, donc il se présente comme ceci. Donc vous avez un rouge qui tire sur le bordeaux, et celui-ci, alors je vous l'ai montré sur Snap, il a l'air d'être noir avec des paillettes un peu multicolores qui changent un peu caméléon. Donc celui-ci c'est le Hot Tube et l'autre c'est le Show Me Chalette. Ouais c'est ça. Voilà. Ensuite j'ai pris un autre vernis de la marque Alessandro. Alors moi c'est une marque que je connais parce que ma soeur en avait, qu'on lui donnait. Et là c'est le Wild Safari et j'ai adoré la couleur, un peu turquoise, plus, enfin ça tire plus sur le vert. Vous le voyez plus vert canard, mais c'est... Il est assez pétant et c'est vraiment des très très bons vernis. Et là ils sont vraiment pas chers, je crois qu'ils sont dans les 4€. Et les vernis, je crois que les deux je les ai eu pour 7€ si je me souviens bien. Donc voilà, donc je vous en reparlerai sur le blog comme toujours. Ensuite j'ai voulu tester un produit de la marque, enfin de la gamme, de la marque Orofluido. Il y avait beaucoup de produits de cette marque. Il y a aussi beaucoup de produits de chez L'Oréal pour les huiles cheveux que j'adore, qui sont vraiment super, mais je voulais tester celle-ci. Donc en fait c'est un Zen Control Elixir, et c'est un élixir qui contrôle les frisottis, l'élasticité et qui procure une douceur exceptionnelle.
J'ai beaucoup aimé le packaging. Donc si vous me suivez sur Snapchat, vous avez déjà vu tous les produits parce que je vous dévoile toujours mes produits. Et mon Snapchat, c'est Blonde Nancy. Et franchement, j'ai été surprise par l'odeur. On dirait une brume Victoria's Secret. Tout simplement. J'ai pas d'autres mots. Donc hyper contente. J'ai hâte de le tester parce que pour le moment, j'ai vraiment rien testé. Je vous en reparlerai plus tard. Et le dernier produit, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment, on entendait beaucoup parler de cette marque, Catalys, et de ce baume à la banane. Moi, je voulais l'avoir, mais je crois qu'il était vraiment pas facile de se le procurer. Et là, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Donc, il se présente comme ceci. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière. C'est ma boîte mail qui s'active. J'ai reçu au moins une quarantaine de mails d'Octoly qui, ça doit bugger. Et ça sent clairement la banane. Je sais pas si vous avez déjà testé les produits de chez The Body Shop, les shampoings et l'après-shampoing, la banane. Et ben, ça sent ça. Donc pareil, j'ai vraiment hâte de le tester et il était vraiment pas cher du tout non plus. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez ce site. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, moi je suis un peu à la ramasse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà acheté, les bonnes promos, si vous êtes youtubeuse, blogueuse et que vous avez déjà... que vous avez déjà fait de vidéos et tout ça dessus, n'hésitez pas à les partager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.